Ni hao, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo, une vidéo spéciale qui n'est pas réservée au Geek Plus, parce qu'elle sera ouverte à tout le monde, mais qui va vous montrer un petit peu l'avantage de devenir Geek Plus, et surtout, comme vous l'aurez vu dans le titre, tout ce qu'il va y avoir, j'ai mis tout là, il y en a une chier, et c'est quand j'ai vu le poids, ne serait-ce que le Blue Dio, je me suis dit, putain, ma valise à Noël, en fait, genre deux culottes et tous les produits, voilà. On va énumérer un petit peu tous les produits. On vous rappelle, hop, je vais mettre un petit peu ici. Voilà, vous avez possibilité de devenir Geek Plus. OJT Geek à partir de 1€ par mois, 3 mois, 3€, 6 mois, 6€ et 12 mois, 12€. Dans ce cas, vous viendrez Geek Plus dans la page qui lui est réservée et suscitée. Et vous aurez des petits avantages, notamment, bon, l'avantage, on va en parler. Allez, on va les faire ensemble. Et puis, surtout, vous allez pouvoir soutenir JT Geek. L'intérêt de tout ça, aussi des Geek Plus, c'est de me faire des couilles en or. Ça, vous l'aurez bien compris. Parce qu'elles sont en bronze, mais en bronze, ça pète pas trop. En or, ça brille mieux. C'est surtout de faire un JT Geek indépendant et de dire mon salaire, plutôt que je me le fasse dans la revente de produits, des partenariats, des annonceurs et de la pub YouTube ou AdSense, que je me fasse mon salaire avec les Geek Plus et comme ça qu'on soit vraiment indépendant et qu'on puisse dire va te faire Oncolo. On va te faire comment? Ah merde, c'était va te faire caresser les yeux, je m'en rappelle plus c'est quoi. Va te faire masser les yeux, un truc comme ça. Et devenir vraiment indépendant et de pouvoir dire ce qu'on veut et de faire ce que je veux et de pouvoir, voilà, de pouvoir dire c'est de la merde, c'est quand j'ai envoyé chier des gens, je les envoie chier, complet, et puis voilà quoi, de devenir un peu plus arrogant que je ne le suis déjà. Ce qui est pas facile. Allez, donc pour 1€, tu auras quoi? Tu auras les vidéos 24 heures avant tout le monde, ça veut dire que cette vidéo, toi qui geek plus, tu l'auras. Quel jour on est? Mardi, et les autres, ce JT Geek l'auront mercredi. Les reviews, vous l'aurez toujours la veille, et les machins, un truc comme ça, c'est pas mal. Un petit mail d'amour tous les jours, bon, presque tous les jours, quand je vous envoie la vidéo du lendemain, là on est d'accord. Ton pseudo dans les crédits vidéo, donc ça tu l'auras vu, donc peut-être pas là, mais alors attends, si je le mets ici, tu vois, le pseudo apparaît, et quand on met dans les vidéos, à la fin, il y a ton pseudo qui apparaît, ce qui fait toujours plaisir. Là ou là sur les réseaux sociaux, quand tu deviens Geek Plus, et à chaque fois que tu deviens Geek Plus, on met automatiquement ton pseudo a été Geek Plus pendant la durée sur notre page Facebook et sur Twitter. Voilà, donc ce qu'on appelle la hola sur les réseaux sociaux. Je suis en train de réfléchir à un truc en même temps. Non, je l'ai oublié. Voilà. Ah oui, les anniversaires. Je sais pas si on a des anniversaires. Je regarde, attends, laisse-moi. Hop, il y en a pas. Non. On voit tous les pseudos et tout, c'est pas terrible. Y a pas d'anniversaire aujourd'hui. Là, on te souhaite un bon anniversaire. Alors si j'oublie pas, hein, parce que là j'en ai oublié un dimanche, je m'excuse. C'est cool. Comment il s'appelle celui? J'en ai oublié un dimanche. Mais c'était dimanche, donc il n'y avait pas non plus de vidéo. Mais normalement, en théorie, j'ai les anniversaires d'aujourd'hui et de demain. Donc je pourrais vous souhaiter bon anniversaire pendant les accrotidiennes. Des vidéos bonus quand je fais des tests live caméra. Alors, c'est vrai que des fois, j'ai tendance à acheter des machins. Et je fais une vidéo pour voir ce que ça donne. Je la mets en ligne et comme ça, je vous l'envoie à vous. Rien que pour vous. Vous seul aurez vous aurez la date et l'heure des lives surprises. Voilà, on fait des lives. En fait, je pense que la GoToFac va devenir mi-live, vous voyez, je réponds aux questions et je réponds après à vos machins et tout. Donc, par contre, ça sera surprise. Il y aura que les Geek Plus qui auront l'heure, la date et l'heure. Voilà, pour qu'ils y soient. Et les autres, ça sera vraiment un petit peu la surprise. Sinon, il y aura le rediff. Et un prix de fou sur les produits que je testerai uniquement pour les Geek Plus à l'année, soit minimum 12€ par an. Voilà, donc j'explique comment ça va se passer et après on attaque un petit peu la liste. Parce que j'ai bossé ma liste, je te fais voir un peu. Regarde tout ce qu'il y a. Pour de vrai. Hein. Donc, seulement si vous êtes Geek Plus à l'année. Alors, à savoir que si vous avez pris que 1 mois, 3 mois ou 6 mois, si vous reprenez un abonnement derrière, ça reprolonge. Donc, si vous avez pris 1 mois, il faudra en prendre 11. Reprends-en 12. Allez, 12€, c'est pas bon. Si t'as pris 3 mois, il faudra prendre 9 mois. Mais l'idée, ça serait reprenez un an. Comme ça, vous êtes peinard. Je veux dire, 12€, vous allez faire une bonne affaire. Vous recevrez un mail prochainement à partir du moment où vous pourrez postuler. Alors, au début, je voulais faire un truc avec un fichier Excel. Puis après, je me suis quand même rendu compte que vous étiez plus de 210 actuellement et que ça allait être un peu compliqué. Si tout le monde m'envoie un mail et tout, je vais me prendre une petite décharge de mail. Donc en fait, depuis votre page administration... Alors attendez, je sais pas si je peux te le faire voir d'ici. Voilà, quand tu cliques sur la page, nanana, t'arrives sur une page qui s'appelle Geek Plus. Ici, hop là, donc là, évidemment, de me connecter. Hop, Dashlane, non. Voilà, donc t'arrives sur une page, t'as ton pseudo, machin, hop, ici, et après t'auras droit à une administration, et sur cette administration, après, tu auras la possibilité, t'auras directement les produits, le prix de lequel ils seront vendus, et t'auras la possibilité de postuler. Et en théorie, si le programmeur y arrive, tu n'auras la possibilité de postuler que si tu es Geek Plus, pendant un an.
au moins que tu as pris un an au total. Voilà. Donc, je vais voir comment il va gérer ça. Et après, une fois que vous aurez postulé, on fera un tirage au sort, tous ensemble, en vidéo comme ça, ou non, en théorie, soit j'aurai les idées, je vous ferai un random.org, soit il me fera un bouton et j'aurai qu'à cliquer et les pseudos sont là et on désignera qui sera les gagnants de chaque produit, à savoir que vous pourrez gagner qu'une seule fois par vague de tirage. Si je fais une vague ou qu'une seule fois par mois, on va dire, parce qu'en théorie, je vais pas faire plus d'un tirage par mois. Donc vous pourrez gagner qu'une seule fois. Donc on commencera par les trucs les plus chers, ou pas, enfin dans le désordre, et tu pourras gagner, voilà, le droit d'acheter un produit à 50%. Alors oui, je suis d'accord, il y a des produits à 30 euros, tu vas payer 15, puis il y a des produits à... C'est quoi le plus cher qu'on a ? 200... Non, je fais que 180, la machine, là, 107, 197, 206, 222. 222 pour les plus chers, ça fait 110 euros, tu vois, bon, ça fera un petit peu la plaisanterie. Voilà, allez, et les expéditions. Alors, les expéditions, comme je ne peux pas envoyer depuis la Thaïlande des produits avec batterie et que je vais pas les emmener en Chine pour les envoyer depuis la Chine, à savoir que ça va mettre quand même 2 à 3 semaines pour vous arriver, on va les envoyer de France. Je partirai peut-être un petit peu plus tôt, j'ai arrêté les plannings, je risque de partir le 16, d'ici, le 16 décembre. Comme ça, je serai là-bas au moins le 17. Il y a un dimanche juste après, qui est le 18, je crois à peu près. On pourrait se faire une soirée geek le 18, de mémoire. Attends. Parce que là, je sens que tous les Geek Plus vont être... Attends, 17. 17, voilà. On pourrait se faire une soirée geek le 18, après 19, 20, 21. Après le week-end d'après, il y a Noël. Et je repartirai le 27 ou le 28, à peu près dans ces eaux-là. Donc ça permettrait de moi de vous les envoyer. Si je vous les envoie le 19 depuis la France, en théorie, en colissimo, machin, ça prend 2 jours. Au pire, 3 jours. Vous êtes bien pour Noël. Voilà. Tac. Allez, on revient. Plein feu sur la bonnette. Allez, on attaque. Qu'est-ce qu'il y a ? On va commencer par... Alors, on va commencer par les... Attends. Le truc du bas. Les caméras. Il me reste la caméra Elephone 360 que j'ai testée. Elle est restée dans la boîte. C'est quand même dommage. Elle vaut 120 euros en prix. Je vous donne les prix publics. Donc, vous êtes assez fort pour diviser par deux. Ça fait un truc à 60 euros. Celui qui veut s'acheter une caméra, pas mal. Encore une fois, vous vous achetez pas vraiment. Vous postulez pour pas un tirage au sort. Parce que si vous êtes tout seul, bah, vous êtes sûr de gagner. Et si vous êtes 2-3, on fera un tirage au sort. Mais après, si tu gagnes pas, tu pourras peut-être gagner un autre truc. Voilà. Et je sais qu'il y en a plein, ils vont postuler à tout. La Oka qui filme, alors eux ils disent 360, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt, ça filme comme ça, plutôt à 180 degrés, oui, il n'y a qu'une lentille, on avait fait la vidéo. Pareil, elle vaut, elle, 138 euros, quand même, donc ça fait 140 euros, ça fait du 70 euros, voilà. Ah mais je vais pas avoir assez de place, là. Merde. Attends. Ah ouais, mais là j'en ai partout, c'est le bordel. On a fait ça. Ensuite, les Steadicam, voilà, je vous fais les Steadicam. Hop là. Alors, Steadicam, j'ai le G3 qui permet de mettre une GoPro dessus comme ça. Le G3, il vaut 200 boules sur Amazon. Je suis allé voir, ils en vendent encore, donc ça fait 100 boules. J'ai le G4, qui est le même principe, mais qui est nouveau et tout, avec des fonctions supplémentaires. Pareil, il fait 200 boules sur Amazon. Au bruit. Donc, j'ai regardé, hein, parce que je regarde les prix sur Amazon, donc ça fait 100 boules. C'est pas mal. J'en ai un autre et tout, mais son sort n'est pas encore décidé de Steadicam, donc voilà. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Il me reste, alors, le chargeur, non. Il me reste les casques Blue Duo. Alors, le Blue Duo UFO. Putain, il y a du mal. Le Blue Duo UFO, lui, il vaut 100 boules. Tout rond, donc ça fait 50 boules. Putain, il est lourd. La vache. Et le... Putain, celui-là, il est super lourd. Et le Blue Duo Victory, qui lui, est quand même pas mal, quand on est sans review, qui vaut 180 euros. Donc ça fait 90 euros. Voilà. Là c'est bien, je vais pouvoir déplacer un peu d'une table à l'autre. Montre connectée. Putain, montre connectée mon pote. Alors, j'ai la smartwatch, la S99, qui était une montre sous Android. Connectée 3G, 4G, enfin vous verrez les reviews et tout. Prix 83 euros, donc ça va faire une montre à 40 euros. Badaboum, j'ai la numéro 1, G6, bah, que j'ai pas testé encore. Qui sera testé cette semaine, qui vaut 33 euros. Donc, c'est pas excessivement cher. Donc, ça fait un truc à 15 euros. Je la laisse là parce qu'il faut que je la teste. J'ai la numéro 1 D6 avec un D comme cheval. 76 euros. Donc, ça fait du 38 euros. J'ai la numéro 1 G5 qui, elle, vaut 28 euros. Donc, ça fait 14 euros. Putain, à 14 euros, je peux dire, avec un Colissimo à 8 euros. Alors, et ensuite, j'ai la dernière. J'ai la G4 qui était une de mes montres préférées. Hein. Je sais pas si je l'ai remis dedans. Je l'ai portée pendant au moins... Elle est même pas là. Elle est dedans ou pas ? Ah, je l'ai portée au moins 3 jours. Hein, donc... T'auras du poil de marabout incrusté dans le bracelet.
Donc du coup, elle vaut plus 40 €, elle vaut 80. Bon, 40 €, ça fait un truc, bon, 20 €, quoi. Là, c'est vraiment pour le fun, hein. C'est vraiment, là, on s'amuse, on rigole, c'est la plaisanterie. J'ai le VK World, le tout petit téléphone tout plat, là. Alors, c'est pas le truc qui va vous laisser... 45 € il vaut, donc ça fait 22,50. J'ai du Vernet Mars, prix de vente 206 €, donc ça sera 100 €. En plus, il est en promo, mais personne n'arrive à en acheter, donc je suis pas mal. J'ai le Ramos R10 que j'ai testé aujourd'hui, qui lui ne vaut pas cher. Ramos, il vaut 110 €, donc ça fait du 55. J'ai deux fois plus de chance. Ah non, j'ai un Vernet Thor, voilà, qui était envoyé, qui est revenu, donc j'ai remboursé le gars, qui valait 107 €, donc ça fait 50 €. Attends, regarde bien. J'ai deux Vernet Apollo Light. Voilà, rien que ça. J'ai deux Vernet Apollo Light à prix de vente 222 €, hein, les mecs. Hein. Donc ça fait du 106. Non, 110. 111 €. Sans calculette, on est perdu. J'ai un Umi Plus. 197 €, il vaut, donc ça fait voilà, un peu 100 €, hein, à peu près. J'ai un Umi Max, qui vaut, alors, entre 200 et 165 € en fonction de la couleur. Il y a une couleur qui est moins chère que l'autre. Alors, moi, j'ai la couleur qui vaut cher, ou... Non, moi, j'ai le gold. Alors, je sais pas combien il vaut le gold. Bon, on verra, s'il vaut 165 €, on fera la moitié, s'il vaut 200 €, on fera la moitié, mais bon, même à 100 €, vous faites pas de mauvaise affaire. Voilà, j'ai le Blackview R7 qui vaut 170 €. Donc là, moitié prime, ça fait 85 €. Ici. Et il me reste une tablette, la Shure. J'ai marqué dessus parce qu'après, je vois, j'oubliais. La eBook Pro 64 mégas de mémoire. Qui est une tablette qui tourne sous Windows et Android de mémoire. Voilà. Ouh, putain. Et j'ai le sac à dos. Alors attendez, et j'ai le sac à dos. Le sac à dos joystick. Alors ils vont dire ouais, un sac à dos. Non mais il est connecté. Il y a une prise USB là. Attends, regarde. Regarde bien. Comment... Il y a une prise USB parce que le câble il est relié dedans. C'est un backpack, vous voyez, anti-viol. C'est-à-dire que tu peux pas l'ouvrir. Il s'ouvre de derrière. Et il y a plein de trucs, toi, pour mettre tes tablettes, tes stylos. Ici, t'as des petites poches. Et dedans. Attends, regarde. Je te fais la review dans la semaine. Tu vas voir, ça va bien se passer. T'as un petit tracker surprise. Que si jamais on te vole ton sac à dos, tu peux savoir où il est. Et tu peux. Et il va hurler. Il va faire... Mais des deux côtés, apparemment. Le truc, il gueule. C'est un truc de. Attends. J'ai quand même réussi à fermer le truc. Attends. Ouais, il y a. Alors je sais pas si c'est juste des LED ou si ça gueule ça aussi. Ou si ça gueule que au niveau du smartphone. Voilà. Dans la pub, ils mettent des Mars et des M&M's. Eh, tu mets là contre le dos des Mars et des M&M's. Une journée de marche, c'est des agendas après. Hein. Voilà. Donc le sac à dos, il arrivera dans la semaine. Il est vendu 72 € quand même. Ah ouais, c'est un sac geek. Donc ça vous fait un truc à 35-36 €. Et pendant que les geeks plus arrivent, il n'y aura peut-être pas tous les pseudos. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes en train de mettre un peu la pression. Qu'est-ce que j'attends imminemment sous peu qui sera rajouté. Parce que je pars le 16 décembre. Donc on va peut-être faire la tombola quand le script sera prêt. Mais voilà, on n'est pas pressé. Hein, mi-novembre, on peut attendre un petit peu, quoi. J'attends le Redmi 3S qui est arrivé en Thaïlande. Alors attention, je vous rappelle que la dernière fois, ils arrivent avec Tuk Tuk Express, hein. Donc il faut le temps qu'ils arrivent de Bangkok jusqu'ici. Mais il y a de fortes chances qu'il arrive dans la semaine, c'est pas mal. Ulefone vient de me confirmer qu'il m'a envoyé le Tiger. Là c'est bon. Sur JT Geek, je vous ai parlé d'un réveil avec charge par induction, machin et tout. Bon, il est en précommande, donc il m'a dit dès qu'il arrive, il me l'envoie. J'attends les SJ-CAM, mais apparemment, bah, la SJ-6 ou la SJ-7, elles sont pas encore prêtes, mais ça fera partie des caméras qui seront dans les lots aussi à gagner. Il y a une caméra IP Xiaomi, là, qui me plaît bien. Je dis, elle est bien celle-là, là. Elle me dit, oui, mais c'est précommande, on les a pas encore. Je dis, quand vous en avez une, elle me dit, on vous en envoie une. Voilà, donc bien, bien sympatoche. Voilà. Donc là, actuellement, il y a combien de produits? Attends. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il y a 22 produits. Voilà, pour faire simple, pour ceux qui vont dire « Oui, mais attends, c'est de l'arnaque, on va payer 12 €, on n'aura rien. » Non, t'auras pas rien. T'auras ton nom dans les crédits, les vidéos en avance et des actions dans le JT Geek. Mais ça, c'est l'étape d'après. Donc, 22 produits. On attend le Redmi 3S, ça fait 23. Le Ulefone, il va partir bientôt, là, parce qu'elle m'a dit qu'elle me l'envoyait par DHL. Ça fait 24 produits. Voilà, grosso merdo, 24 produits. Allez, on va dire que vous êtes 200 et quelques. Au pire, vous êtes 240.
vous avez quand même une chance sur 10 de repartir avec un truc, quoi. Ben oui, si vous êtes 240, qui a 24 produits, vous avez une chance sur, pour 12 euros, vous avez quand même une chance sur 10 de pouvoir. Alors là, j'ai vu dans les commentaires, me dit, ouais, mais tu pourrais les offrir ou... Ben ouais, mais mon pote, il faut que je me tape les frais de port, il faut que je les envoie en France. Et l'intérêt, ce qui serait l'intérêt, c'est que tout cet argent-là, ça fait quand même du pognon là. C'est que je me paye mon billet d'avion pour aller en France. Donc comme ça, je vous les expédie de France, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et ensuite, ça permet d'avoir un petit pécule et que s'il en reste, de dire bon ben voilà, on pourrait éventuellement acheter un produit ou mettre mon A9 Pro et puis dire voilà, on achète un produit, on le fait gagner dans l'espoir où la prochaine étape c'est les 500 Geek Plus. Alors la prochaine étape qui est off, c'est que vous allez devenir actionnaire. Tous ceux qui achètent, qui payent 1 euro par mois, auront une action du JT Geek. Ceux qui payent 2 euros par mois auront deux actions du JT Geek. Pour l'instant, vous pouvez pas cumuler les abonnements, c'est à la queue leu leu, mais ça viendra. C'est-à-dire ceux qui mettent 5 euros par mois ou qui font un don de 5 euros par mois, vous avez droit à 5 actions du JT Geek et on vous expliquera. Courant du mois, ça va être tendu, mais peut-être novembre ou décembre, comment vous allez devenir action du JT Geek, et comme les actions sont limitées, comment vos actions prendra de la valeur ensuite. Mais ça, c'est l'étape d'après. C'est l'étape off, qui est gratuite dedans, mais vous le savez pas encore. Enfin, si je vous en parle, mais puis après, quand vos actions, elles vont avoir de l'argent, vous pourrez, vous allez pouvoir gagner du pognon, pour de vrai. En théorie, si ça marche. Ça marche pas, vous gagnerez rien du tout. Vous aurez dépensé 12 euros par an, vous aurez du mal à vous en remettre. Vous allez dire, oh l'enculé, ah, il m'a bien niqué avec ses 12 euros. Et tout le monde va se foutre de ta gueule en disant, t'as quand même, il y a quand même 30, entre 30 et 50 vidéos par mois pour 1 euro par mois. Pas cher payé, hein. Vu qu'on n'est pas vendu, pas encore. Donc voilà, et les prochaines étapes, ça serait les 500 Geek Plus. Donc là, on est à 210. Ou 215, je sais pas, je vois les trucs qui arrivent en même temps. Donc, on doit être à 200. Faut qu'on regarde, là, les compteurs sont pas à jour. Donc on doit être à 210 ou 215. Quand on aura 500 geeks plus, pour de vrai, on achètera un produit par mois. Soit minimum, hein, soit un smartphone, soit un machin. Dans ce cas, on le testera et on le remettra en vente à moitié prix pour les geeks plus. On parle, je sais pas, dans un premier temps, des trucs pas chers. Vous voyez, les Samsung, le A9 Pro, par exemple, que j'aurais pu acheter dans l'espoir de vous le revendre, que vous ne pourrez pas acheter en France. Il va y avoir le C9. Qui va arriver là aussi, qui n'est qu'à l'Asie. On pourrait l'acheter. On parle par exemple du J2, qu'on vous a parlé la dernière fois, ou un J7, qui vaut que 100 euros. On pourrait facilement l'acheter, le tester, et vous le revendre à moitié prix. Comme ça, vous aurez un téléphone qui n'est disponible qu'en Asie, ce qui est quand même un peu la classe, et ça permettrait d'acheter des produits de marque et de les tester, des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'est les prochaines étapes. Là, on est à 200, on est bien. La quotidienne, bon, vous avez vu, on a mis des trucs rigolos, c'est pas mal. Voilà tous les produits qui vous attendent, voilà. Ça intéressera les intéressés, ceux qui sont geeks plus, ceux qui ne veulent pas l'être, ne le soyez pas. Ne soyez pas, mais, parce qu'on va avoir des puceaux qui vont, faut pas payer, c'est tout, c'est le jeu. C'est un jeu, c'est voilà, on donne, c'est que si t'as rien intouchable, et si t'as compris le film, tu donnes, je donne, tu vois, un petit peu comme ça, toi, on avance un petit peu. C'est tu 1 euro par mois, c'est pas la mort. Après, ouais, mais il faut le donner d'un coup, ça fait quand même 12 euros. Bon, bah, donne deux fois 6 euros en deux mois. Tu payes un là, un coup 6 et l'autre mois 6, et ça prolongera ton abonnement. Et ben voilà, dans l'idée, on fait truc à moitié prix, et cet argent-là permettra suivre mon train de vie royal, de pouvoir aller au bar, aux putes, et de refaire la toiture de mon château, par exemple. De mettre une cheminée pour Noël, même s'il fait 35 degrés ici, pour que le Père Noël puisse descendre, ou la Mère Noël. J'ai une plaisanterie que vous pourrez garder comme ça pour vous. Vous savez ce qu'il y a de pire que de croire au Père Noël ? Tout, 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 tout. Eh ben, c'est de croire en la mère Noël et de croire qu'elle s'habille chez Victoria's Secret. Voilà, c'est cadeau. Aide-moi celle-là. Voilà, donc les prochaines étapes, c'est ça. Je remercie tous ceux qui auront été Geek Plus, qui verront la vidéo cet après-midi. Et je remercie tous ceux qui ne sont pas encore Geek Plus, mais qui ont envie de le devenir. Alors, même que 1 euro, c'est bien. Après, tu participeras pas au tirage au sort, mais c'est pas grave. 1 euro 50, 3 euros, 3 mois, 3 euros, veut dire, c'est pas la mer à boire. Tu deviens Geek Plus, tu rentres dans le club, t'as ton nom et t'auras déjà au moins 3 euros par mois. Ça fait 1 euro par mois, t'auras déjà une action. Mine de rien, voilà. Je vous parlerai des actions JT Geek le mois prochain. J'ai déjà commencé à spoiler dans quelques facs et tout, mais le projet, il est en cours de programmation. J'ai mon idée sur le dossier, mais au niveau de la programmation, c'est un peu compliqué. Je voudrais que ça soit qu'on puisse voir visuellement les actions et qu'après vous puissiez acheter les actions, qu'on puisse voir le nombre d'actions qui ont été prises et le nombre d'actions qui restent. Et quand il y aura plus d'actions, parce que le nombre d'actions est limité, en plus, bah, c'est par mois, vous aurez compris un petit peu le dossier, et ben, pop, c'est fini, top. Il n'y en aura plus. Mais ceux qui en ont pourront gagner du pognon parce que voilà, on vous expliquera un petit peu l'idée si on arrive à aller au bout du dossier. Pour l'instant, on n'y est pas. On est encore loin des. Mais les actionnaires vont être mis en place prochainement. Mais après, prochaine étape, les 500. Les 200, c'est fait. Les 500, c'est pour bientôt. Là, je pense que ça va vous énerver. Même s'il y a 500 pélos qui veulent devenir Geek Plus ce mois-ci, un miracle. Imaginons. Oh, pouvoir du marabout, vous êtes 500. Il y a quand même 24 produits.
Donc, tu as une chance sur 20 pour 12 euros de repartir avec quelque chose. Voilà. C'est quand même pas mal. Et à mon avis, plus, je pense qu'on va attendre un petit peu. Et au pire, les produits que j'attends, qui sont en cours, on les mettra tous ensemble pour que... Ce qui serait bien dans l'idée, c'est que pour l'instant, il y a 24 produits sur... C'est qu'on arrive à une petite trentaine. Voilà, une petite trentaine de produits. Je pense que je pourrais vous trouver. Je dois bien avoir des trucs, là. Maï 4K ? Non, elle est à moi, elle est trop bien. Qu'est-ce que j'ai, là ? Rien. Faut que je cherche, voilà. Qu'il y ait une trentaine de produits. Je veux dire, voilà, là, on est à 24 produits sûrs, parce qu'ils arrivent ou ils sont on the way. Si on arrive à une trentaine de produits, bah oui, parce que j'attends en même temps deux caméras, plus le réveil. Attends, les deux caméras plus le réveil, ça fait déjà 3, ça fait déjà 27. Pas mal, pour peu qu'il y ait un téléphone entre les deux qui arrive, là, en loose day, on va arriver, qu'on boucle, faire un tirage au sort, on va dire peut-être à la fin du mois, hein, qu'on laisse un peu le temps, mais fin du mois, hop, qu'on a... Vous êtes geek plus à l'année, donc... Tire l'arigot, peu t'importe. Une trentaine de produits, comme ça, bah, même si vous êtes, allez, 300 geeks plus... Bah, vous avez quand même vraiment une chance sur 10. Si vous êtes un peu moins, bah, vous aurez un peu moins de chance. Mais voilà. Voilà l'idée. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Cette vidéo aurait été très très longue. Elle ne devait pas l'être. Voilà, j'ai presque fini mon Pepsi. Alors, je vous le mets en. Attendez. Placement de produit. Voilà, je vous le mets en taille comme ça. Comme ça, on peut pas m'accuser. Personne n'a vu que c'était du Pepsi Max. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, cette vidéo était bien sympathique, je vais m'atteler peut-être cet après-midi là, parce que j'ai regardé Walking Dead en mangeant là ce midi, je vais commencer la review de la G6, comme ça vous la verrez certainement fin de semaine, et elle rentrera dans notre lot incroyable, et les Geeks Plus seront avertis par mail à partir du moment où le script est en place, que vous pourrez postuler, mais je vous dis pour l'instant il n'y a pas urgence, au pire on mettra les trucs, vous ne pourrez pas postuler tout de suite, mais c'est vraiment pour, on mettra une date, vous pourrez postuler à partir du machin, quand on sera bien, qu'on aura plein de produits et que les Geeks Plus sont là pour vous laisser un petit peu le temps. Hein, laisser le temps de vous retourner en disant ah, « J'ai pas 12 euros, j'ai pas eu la paye, on est que le premier. » Voilà. Sachez que tirage au sort, au mieux des cas, 15 novembre. Voilà, 15 novembre, comme ça après, ça fait les thunes. Et avec les thunes, je peux payer mon billet d'avion. Ce qui est quand même un bon deal. Voilà. Et ceux qui veulent me voir, ceux qui sont sur Lyon, on pourra, vu que je serai à partir du 16, on fera une soirée geek certainement le 18. On peut déjà commencer à préparer un petit peu. Faut juste que je regarde un peu les dates et tout. Et je pense que ma mère va m'avancer le prix des billets d'avion. Non, c'est pas vraiment la dèche, mais j'ai pas de carte bleue. J'ai qu'une carte bleue chinoise et je peux pas payer sur internet. Voilà, donc c'est un peu la merde. Et ici, c'est en fait, c'est les cartes de débit. C'est pas des cartes de crédit. C'est des cartes que tu peux payer avec dans les magasins, retirer du cash, mais tu peux pas payer sur internet parce qu'on est étrangers, voilà, étrangers, immigrés, il manque plus que la toile de tente devant là et je suis bon. Donc il reste tellement, et après, ceux qui sont sur Lyon et qui éventuellement voudraient faire le truc, vu que je vais être assez libre avec mon petit et tout, on doit aller voir Star Wars là, qui va être sorti mi-décembre. Voilà, s'il y en a qui veulent se faire des bouffes le soir, aller au ciné, à Pardieu, machin et tout, on est chez Open Space, voilà, assez disponible. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui, trêve de blabla, paix et prospérité, bonne journée, allez. À demain pour la quotidienne. Bah là, vous la verrez mercredi. Et après, ceux qui seront geek plus entre temps, nanana. Merci à tous ceux qui ont commandé des t-shirts. On n'est pas loin d'avoir vendu 25 t-shirts là déjà, entre hier et aujourd'hui. Voilà, pour vous parler un peu franchement. Et au geek plus, on fera une autre vidéo un peu plus pertinente. On expliquera combien d'argent on a fait. On n'a pas fait tant d'argent que ça parce qu'il faut diviser par 12, forcément. Allez, paix prospérité. Bonne journée à tous. J'espère que les lots vous plairont. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire si vous êtes geek plus ou si vous l'êtes pas, ou si vous allez l'être. Et après, tout à chacun. Ce qui ne veut rien dire. Paix prospérité. À demain. Bye bye.